Mais qu'avons-nous ici? Nikolai, non! La ville a besoin de son vaccin! Plus que moi? Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans. Affronte le Némésis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et... j'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien. C'est toi ? Carlos ! T'es vivante. Laisse-moi te guider. Bonne idée. Thank you.
voit la grue. Accroche-toi à elle. Je récupère le vaccin. C'est fait! Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure! Oh non 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 non. Tu fous de l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue! As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable? Détonner là-dessus pourrait valoir des millions. Mais... Ah... Je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance! Nikolai! Jill! Cours après Nikolai! Il a le vaccin! Et toi alors? Écoute, on n'a plus le temps là! Je vais y arriver! J'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens, cette fois, ce sera la dernière fois. Thank you.
recharger. Thank you.
Oh non. Tu ne m'arrêteras pas. Je t'ai promis ça, pas vrai? Non! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 minutes. Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Jill! Vas-y, tire! Je peux pas! Je vais te toucher! Allez! Il le faut! On n'a pas le choix! Allez! Carlos! Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça! Même si là, c'était pas loin. On fait quoi de lui? Pourquoi t'as fait ça? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! J'ai rien contre une petite enquête. Va bien. Me voilà. Terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide, de froid m'a envahi, malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais l'avidité. Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes.